J'ai monté une société de location de personnes. Bouquet partner, bonjour. Tu te loues. C'est du service à la personne. C'est un métier, ça? Bah ouais. Bouquet partner, bonjour. Je peux te le rendre demain? Vas-y, je te paye pas pour discuter. Et tes parents, tu vas leur dire maintenant? C'est cabinet d'avocat, t'es toujours contente? Oui. J'ai un métier super, vraiment. 9 fois sur 10, on me prend pour une pute. Ouais, non, faut peut-être y aller étape par étape. Oh là! C'est quoi cette moustache, amour? C'est cool, non? Parce que toi, il n'y a que la moustache qui te choque. Non, mais le pancho, j'adore. Moi, c'est exactement ce qu'il me faut. Ma mère me gonfle pour que je me remette avec mon ex-femme. On s'est séparés il y a moins d'un an quand on s'est rencontrés avec Manu. Et ça, il le savent pas. Ça te remercie. Donc c'est Versailles ici, en fait. Léa, mais qu'est-ce que tu fais là? Vous connaissez? On est sortis ensemble au lycée. Putain, mais t'es avec mon frère. Bonne nuit, bébé. Je savais pas que c'était ton frère. Tu m'embrasses pas? Même pas en rêve. C'était vraiment bizarre de te revoir chez mes parents. Ah oui? Ouais, je sais, tu vas me prendre pour une folle, mais je pense qu'il y a moyen de moyenner. Je te signale que t'es censée être la meuf de son frère. J'apprends que ma meuf me ment, mais y a même pas à discuter. Mais t'en penses quoi, toi? Tu lâches l'affaire, Léa. Je te vois. Bah, un moulin à poire. T'étais où? J'étais avec Raph. Je suis d'accord avec ce que Raph disait. Ça sert à rien de se mentir. Tu vas pas lui dire que son frère est gay pour arranger tes petites histoires, hein. Tu serais dispo pour un petit déj? C'est que c'était pas ma belle-sœur, ce serait un super plan de drague. Oui, mais je suis ta belle-sœur. C'est quoi cette boîte? C'est du service à la personne. Mais ça cartonne au Japon. Geisha? Tu es une geisha?